1815. Défaite de Waterloo. Napoléon abdique pour la seconde fois. N'ayant pas oublié son retour de l'île d'Elbe, les Anglais et les puissants alliés cherchent un endroit reculé pour déporter l'empereur déchu. C'est à 8000 km de l'Europe, à Sainte-Hélène, petite île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, entre le Brésil et l'Angola, que Napoléon débarque à l'automne 1815, après deux longs mois de traversée. Le temps d'installer sa résidence, il est accueilli par la famille Balcombe au pavillon des Briards, où il connaît les seuls moments heureux de sa captivité. Deux mois et demi plus tard, il s'installe à Longwood House en compagnie d'une poignée de Français qui se sont offerts pour le suivre en exil. Tous pensent que le séjour sera de courte durée. Pourtant, il ne s'achève que 6 ans plus tard, à la mort de Napoléon, le 5 mai 1821.